Dans ces studios, nous sommes à jeudi 18 avril 2024. Merci Nabalandi à Radio Liberté Kinshasa. Nous allons parler Congo démocratique ce matin. Merci à Rebecca Kalombo qui nous a cédé l'antenne. Alors, nous allons parler de consultation. Vous voyez bien solo que le Premier ministre a consulté, Judith Toulouka. Ça fait plusieurs jours déjà qu'elle a entamé ses consultations, mais encore que la question. Augustin Kabouya a consulté, elle consulte, le président va consulter. Finalement, à quand la sortie du gouvernement? C'est notre grande question de ce matin. Bande Koubalandi, Kabosomi, Motenabino, 082 33 33 749. 82 33 33 749, c'est le numéro de votre standard. Vous pouvez nous écrire à travers votre numéro 81 49 49 41 721. 081 49 41 721. Vous tout mettez dans la bino, n'a pas invité dans la bisso, dans il y a pas message, SMS, depuis WhatsApp, mais vous pouvez bien la bisso en direct, tant que vous pouvez le bas pour n'a pas de question la bino. Merci infiniment parce que vous prenez sur ton Walelo. Vous nous suivez à Brazzaville, vous nous suivez dans le Congo central, mais aussi dans le Grand Bandundu. Merci à vous qui nous suivez à Bandunduville. Boussangani beaucoup dans la bisso, si vous pouvez bien la bisso, beaucoup dans la bisso. Alors, elle signe ici donc sa toute première participation ce matin. Merci de Coupolin Bumba. L'émission est en direct. Neko Katawa Victor Hugo, président du réseau internationaliste ASBEL. Botenayo. Bonheur Nzinga. Merci beaucoup pour la présence dans le studio, monsieur, à Radio Liberté Kinshasa. Et c'est un raison de yangaï. Alors, rapidement, je me répète, je suis tenté parfois de provoquer, de poser des questions sur le passé des gens, mais je ne suis pas ce matin prêt pour ça. Mais c'est quand même une manière pour moi de vous dire de saluer Clément Kankoubou-Kassa. Azamala, mon ex-ministre de la coopération et du développement. Je le salue, mon vieux. On a été au cabinet avec lui. Je le salue là où il se trouve. Il est Azapé Naïno Sacré? Oui, Azali Naïno Sacré. Même Kolo, yo. En quoi consiste ce réseau en quelques mots hein. Oh, merci beaucoup. Réseau des internationalistes ASBEL des Ali Lisanga, to Lingomba ya Bayo yo Batangi, les relations internationales à l'université, le pôle à filière de formation, Ndakisa, Nenge, Moutazo, inscription na Epo, Kende Gotang à médecine, Kende Gotang à droit. Les relations internationales. Alors, relations internationales, ils allient filière de formation universitaire, Oyo, ils allient coacher, ils allient cofonder enseignement Nayango sur la diplomatie. Alors, Nayango, Bissot, on dit que Moutou Oyo Nyonso attendit relations internationales na université et toujours précisé que dans un cursus régulier. Azali formé le cola diplomate. Alors, le cola diplomate et Sengeli était Moutou Oyo à Tangeli métier et Sengeli à Salamoussanam. À Salandé Moussalam. Mais ça, on a beaucoup remarqué. Vous avez un constat amer par Oui, tout à fait. Par rapport à notre reconnaître la Oui, conscience. Oui, tout à fait. Si vous observez ce qui se disent. Parce que nous ne voulons pas avoir la prétention que c'est nous qui le disons, mais on va vous dire que la majorité de nos diplomates n'ont pas le profil pour exercer le métier. Alors nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions avoir au niveau de notre diplomatie des gens qui n'ont pas de profil, tout simplement parce qu'il n'y a pas un lien étroit entre l'école de formation, qui est les relations internationales, et le cadre professionnel. Du métier qui est la diplomatie. C'est un peu comme ça, on va dire que tu as fait des sciences politiques, tu as fait des politologues. Tu as fait des politiques, tu as fait des politologues. Politologue, moi je parle de nous qui sommes formés comme les internationalistes. Donc, constat, la Bunezali qui est diplomate, Mingi, ce ne sont pas des gens qui sont formés. Oui, ce sont des gens qui ne sont pas formés. Et d'où il y a un peu trop de tâtonnements. Vous avez observé le président de la République. Nous qui avons fait les relations internationales constatons, n'est-ce pas, que Azali Kosalamo a fort rebellé sur le plan diplomatique. Mais vous voyez que ça ne suit pas. Ça ne suit pas tout simplement parce que il y a des gens qui sont dans la mèche qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent réellement. Alors c'est ce que nous disons que pour pérenniser les acquis
Donc, il sur présente le le plan bâti. diplomatique comme Mais général quand Obaki, même, il faudrait que Atia au centre de la diplomatie, Bato Oyo, Bazalina Messiango, Obayekola Mais Yango, vous avez Ezali belé, bah, Bato Oyo, Moka Bazali Kaza, ministre des Affaires International. étrangères, tout est chargé à la diplomatie, tout est le Rossongo, le Pakala. Mais quand même, aujourd'hui au Congo, on parle de la diplomatie agissante. Vous pensez que c'est une diplomatie de fax, en réalité, que contenu est à vide? Non, non, le contenu est alividé. Le contenu est là, mais sauf que ça devrait suivre. Parce qu'en diplomatie, il y a aussi ce qu'on dit la personnalité du chef de l'État. Le véritable problème, c'est qu'il ne faudrait pas que lorsque le président de la République actuelle partira et que celui qui viendra, nous puissions encore faire une forme de tabula rasa. Donc tout ce que nous nous demandons, c'est que comme nous constatons qu'il y a des efforts qu'il est en train Donc la de diplomatie, c'est aussi battre, l'image du président. Vendre son image en bien. non, au C'est ça? fait, il y a aussi son poids qui compte, sa vision qui compte. Vous voyez? Et sa façon de côtoyer aussi ses homologues. C'est tout ça qui compte aussi. Donc vous Et il y pensez a que aussi jusque-là, également. ils ont servi à la montée. Parce qu'elle va entourer normalement professionnel. Effectivement, il est entouré de beaucoup qui ne sont pas professionnels dans le domaine. Pour constater, vous allez voir que depuis que la République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, nous n'avons jamais connu de réformes sur le plan diplomatique. Mais ce n'est pas normal. Des Vous avez réformes au SMID. atteint côté Benda Congo et Congo. Donc, Ezara, diplomatie, Baloko Oyo, parce que Ayebanina Intel, Babwa qui est Kaka. Parfois, il y a des gens qui ne connaissent même Mais pas dans les le bien B qui à bas de Boza la Boza et diplomatie. Bélé, bah diplomate, bah retient ministre mon côté. Non. Est-ce qu'ils ont un aspect Au ni pour le fait, Bélé? Diplomatie, quand vous parlez de diplomatie, vous voyez quoi derrière? la diplomatie, par définition d'ailleurs, c'est l'ensemble des objectifs qu'un État se fixe pour pouvoir réaliser un intérêt, n'est-ce pas, son intérêt national. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'intérêt pour la République démocratique du Congo, c'est de rétablir la paix sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais spécialement dans la partie Est. Vous voyez? Donc, pour rétablir cette paix-là, il faudrait que les Congolais puissent comprendre que ça ne demande pas des novices, des Merci. gens qui n'ont pas la maîtrise dans la matière. Vous voyez, il faudrait alors qu'on accepte que pour aider la République, on doit mettre au Les centre professionnels. ceux qui connaissent le métier, ceux qui ont l'amour de ce métier-là. Parce que quand vous mettez quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est comme si vous avez mis, comme disait notre chargé de Merci. communication, vous prenez un chômeur, vous le mettez en fonction, et celui qui est professionnel, vous le mettez au chômage. Ce qui n'est pas du tout bon. Donc, le Donc. loto, le baquet, diplomatie, wana, aspect, secteur, mingezapé concerné, là, en gros, hein. Oui, la diplomatie, c'est vrai que non, beaucoup de secteurs sont concernés parce que nous n'avons pas la prétention de dire que non, la diplomatie, ce qui doit se trouver, c'est simplement nous qui avons étudié la science des relations internationales. Non, nous ne disons pas ça. Tout ce que nous nous demandons, c'est que celui qui a fait les relations internationales doit être le maestro, il doit être le chef d'orchestre. C'est lui qui doit commencer à orchestrer les choses. Alors pour que la diplomatie aussi effectivement soit efficace. Donc nous disons que le président de la République, Madame la Première ministre qui vient d'être nommée, nous souhaitons que dans la formation de ce prochain gouvernement, qu'on puisse quand même voir au niveau du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, commerce extérieur, qu'on puisse mettre quelqu'un qui est du domaine, comme ça, il va à permettre à ce qu'on puisse mener des réformes qui peuvent facilement faire de sorte que la diplomatie, notre diplomatie, demeure une diplomatie agissante, comme nous le voyons avec le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Ndeko Katawa Victor Hugo, n'a rappelé qu'il est président réseau international, internationaliste, Asbel. Ndeko, voilà. Elle aussi, ainsi, donc, sa toute première participation à l'émission. Et j'ai dit, bongo, madame Tosha Mwana Kouleme. Vous avez chargé la communication à Asbel, réseau internationaliste. On a fini le mois de mars, certes, mais. Bah, nommé pays premier ministre, et c'est un résultat pour la bine, autrement. C'est une victoire pour la femme congolaise, si on peut le dire.
Bon, je ne dirais pas que c'est une victoire seulement pour la femme congolaise, mais c'est l'effet aussi de pouvoir changer les choses en RDC. C'est pas seulement une victoire, c'est aussi mettre à la place quelqu'un aussi qui pourrait faire de nouvelles choses au sein du gouvernement congolais. Nouvelle chose en Ghana. Présente moi s'il y a une nouvelle chose. Tous ces gens-là qui ont été premier ministre n'ont pas pu. C'est seulement la dame. Si vous pensez qu'elle est plus compétente que tous ces gens, le vieil Ilunga Ilukamba, le Matata Ponyo, Adolphe Mouzito, tous ces gens que vous connaissez. Non, 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 le babon, ministre Nyonso Oaya en tant que premier ministre, Azakina Porna, Salakina Pokanabiso. Moni, tant que Matata Ponyo, Yaki, Toloba quitté, à cause de la mieux que telle. Oh, Payaki, Bosepela Kipe, pourquoi est-ce que tant que Azala Kimobali, Boloba quitté, Kaisa victoire pour qu'il y ait Azala premier ministre? Non, justement parce que c'est une première au Congo. Voilà, il doit y avoir toujours une première dans chaque chose pour que réforme ait Kendemalam. Donc, vous saluez la nomination à Madame Judith Toluka, Oui. surtout au sein de de votre ASBL. Vous plaidez aussi que moi, c'est dans un ministère des Affaires étrangères. Mais on a quand même une ministre des Affaires étrangères récemment, c'est ce qu'il dit. Hein. La dame, oui, on a une ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, on n'a pas vu aussi exploit. Bien que. Je ne sais pas, le domaine d'information Zakini, on ne sait pas plus ça. Bon, voilà, quand on est au lobby, le moutran apport n'a rien à couvrir en haut. Et pour cause à la positive, tout est pour cause à la négative. Cause à la moitié, le ministère et mis que ils ont victoire manque pour la féminité, mais ils ont changé petit puis la société n'a plus. C'est qui la société manque où la femme était un peu plus minimisée par rapport à l'apport n'a rien à couvrir en haut. Mais mettre une femme comme étant première ministre, c'est la nouveauté. Oh, que je salue le président de la République, Ayenango, pour pouvoir aider Bissoba au Pétozo, Yatoyeba, que ceux qui n'attendent pas l'amour et que n'ont pas la connaissance, mais qu'il y a bien, n'a pas qui qu'on m'appelle Tina fonctionne. Le projet internationaliste. Oui, je suis internationaliste de formation. Je rappelle que Madame Tosha Mwana Kouleme, si j'ai bien prononcé, Oulémé. Moana Kouleme, Oulémé. Mwana Kouleme, Oulémé. Kouleme, Ou. Kouleme. Voilà. Ah, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Vous venez à l'émission, on nous a signalé, quelqu'un nous a dit que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Je pense que Mourou Ndambé a illustré les images dans la régie de ce pays Makassi, parce que nous vous recevons un jour anniversaire d'ailleurs. Surtout que tout ce s'appelle moi des Max, moi de la femme, surtout tout ça dans le cadre il y a égalité, il y a sexe. Donc on plutôt tu es président, combat il y a comment on l'a appelé, champion à masculinité positive. C'est ce que nous cherchons aussi ici. Merci beaucoup, Madame Tosha Mwana Kouleme. Quel signe donc ça tout Kouleme, c'est compliqué. Où l'aimer? Ah, c'est de quelle tribu là? Je suis Swahili du Maniema. Ah, ok. Du côté Matata Ponyo. Vous voulez saluer d'autres noms. Voilà, alors, toujours dans le studio, nous allons maintenant voir le vieux loup. Le vieux loup, pas le vieux loup, la sincère connaissance, mais le vieux loup, à terme, avait habitué à l'émission. Mais Olivier Ngunga, notable à Guimena. Boni. Oui, la zone a commis à mon mafoula, mon mafoula les abissiko mana. Mabi on niko tambo la ming ko beta ba porte ba. Moi na mboka notable na ebisa ko ma na mbala ke na zala ala ka jen notable ya kemenate. Aza partout na kongo mo bumba. Ata wapana ndugo na ngaya mwasi na manyema. Kuna pena ko zala ala jen notable. Ipari nyoso na kongo na zala jen notable. Na zala ki na mkomi na mon mafoula. Ipari watu maipi jen notable na mwana. Ah, aux anamons bafoula. Oui, dans la anamons bafoula, précisément dans ma sangami la bianda, il paye wa vimwa na moka azalaka moi aume la ba. Wana nazo profiter pe na micro na yo ko pesa bourgmestre na biso ya monga fula moi na moka severe ou ya ko sala misala ya minene tala moi quelques mois ya pamba o ba nomé bango mais moi na moka wana asali makamu ya minene na komina na monga fula azako construire commune ya monga fula. Isa malali boso bourgmestre aya
abanda ko construire en étage s'il vous plaît. Mais na commune ya ndi depuis na zaki kuna, j'ai été invité par le bourgmestre Papi Mbumba. Na kina moni ni msaya de Salem ba tonga pina commune ya ndi. Mais o ya moi na moka severe na monga fula de kubonner na kubenga omu kwa mususu ko kende ko mona misala moi na boka ko sala. Moi na boka wana aza kulala te. Voilà batwa bo nenge président lo baki ko protéger baki na ye. Ils ont un abattu quoi, bah sévère, na commune un bon gafou là parce que bazar bah travailler, les lots où tant qu'on a un plateau, asa quelque part pour na cause ça conflit moi que zéro collègue na commune un bon gafou là, il est partout, ce qui m'accompagne les cas. Asa homme à terrain. Homme à terrain, asa quand on a bureau tenu quoi, on asa moto, ce qui est loco moi que zéro le canaté quelque part, ati qui bureau naie, a qui est coloca solution, donc asa moto yo. Toujours pour faire confiance, pour nous servir dans la bande de Kobaye, pour protéger Mutuana. Telaka ka, ba moya pamba, mais azo tonga loko ya munene kuna ndeko bonne. Lobi na koyana bilili, to na kutine lobi lilo tala makambo mwana mboka severe ya kusala. Merci beaucoup ndeko Olivier Ngonga. Okegi mena mikolo te. Tege mena mikolo na kete na kuzela election ya ba gouverneur Sale Mandé tango mosusu na kokene gemena. Merci beaucoup pour l'intervention nayo. Alors. Merci mon mboka. Ndeko Polin. Bon, ma consulté binote. Merci Ndeko Bonheur. Merci l'invitation. Merci Naba Ndeko Oyo, Trokabula, Lissolo, Natongo, Alero. Merci na staff technique. Na Pesi Mbote. Naba membre Nyon Sia, une autre républicain. Ici Kabango Bazali, en commençant par l'homme constant, Mwana Mboka, Norbert Luyeye Binzunga. Président national de l'Union des Républicains, parti politique de l'opposition radicale et responsable. Mote naba maman nabiso ba papa nabiso baza soubabash na goma. Quand même que baza encerclé par la rébellion ya M23 AFC. Toujours que partager la même douleur na bango. Na passe ou bango bazo komona na niveau ya goma. Obosani papa mkonze kolo. Na pesipe ba congolais nyonso dans son ensemble. Mote na. Y compris président Félix Tshisekedi. Ba congolais nyon sombote na bango. Merci beaucoup. Oza, voilà de moni opposition radicale et responsable. Yango na responsabilité. Ba consulter binote. La nan. Tout le temps on lobby si j'ai aucun quitté. Consultation. Bon. Merci beaucoup d'abord na rappel au salut que bino ba consulter binote. L'Union des Républicains est ni de près ni de loin na ba comédie au ezoko salema. Il y a ma consultation, il y a ma nomination et tout ça parce que l'Union des Républicains depuis le début, tous les non partie prenante dans le processus, il y a élection, il y a le Kouta ou le Salema qui awa. Il y a nomma qui bat en lieu et place pour que les votes votent battu. Mais ils ont préféré nommer des gens. Vice l'Union des Républicains, tout ça, ni de près ni de loin. Monsieur Abéni, vous pouvez réfléchir autour de la réforme, puis l'organisation avec dialogue n'est pas un grand bon été. Il y a déjà bisous. Ah, on a minute dans ce bassin au cabisot. C'est le biais. Ce qui a bibo sur l'amour en face. T'es pas yoga déjà. Discours réunion des républicains, ils ont suivi de près. Naba Oyo, Baza censé à côté de Moussamboka. Bayebi, position à une autre républicaine. Allez-y. Bayebi, position à une autre républicaine. Ou Kakala. Donc, ma consultation, Oyo, ça ne nous concerne pas. Ils ont concerné, bah Oyo, bah préféré sacrifier l'Est du pays au détriment de ma poste. Bissot, bah Moussouso, et Tolobino, d'abord la paix. Avant de commander ma caméra, partage, il y a ma poste, il y a ma poste, il y a ma poste, il y a partagé plus de douleur, la vie sur la bande de connexion, niveau ya Kwamout, tout ça de cœur, là, bango. Il va opérer la base, niveau ya Congo central, il y a un voiti, il y a un rationnel population, il y a un canon, c'est où ta boma, il y a un matakinza, il y a un boutou, 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 c'est ma policier, ma militaire, il y a un boutou, donc ça, il y a un boutou, c'est là où. L'Union des Républicains a présenté toujours qu'avant tout, nous devons partir dans la réforme. La réforme, on a, suivant l'accord 4 de l'Addis Abeba. Et c'est l'inabi, surtout ça, la réforme, pour la revoir. Mabi, nous merci pour le copine. Mabi, l'accord 4 de l'Addis Abeba obsolète. Vous avez insisté pour la nini. Dikambo, tout le balai, comme la consultation, tout former gouvernement, tout répondre à l'attente de la population, mais vous insistez sur un accord qui n'existe que de nom. Dont le qui en réalité est vidé de son contenu.
Oh yazolo bon, je croyais que vous n'étiez pas naïo. C'est ça, parce que yo y a du droit. Je ne pense pas que l'engagement est bon. Nabingaïté. Je réponds directement. Nakanisi, à propos là, et que comme il m'a un juriste, ou bien mouta sala droit, parce que Ayebi, que l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un traité international conformément à la constitution de la République démocratique du Congo, à son article 215, qui stipule tout traité international est au-dessus de nos lois, à condition que le gouvernement soit commis obsolète. Tout le monde a l'article 215 de la constitution. Celui qui a l'article 215, l'accord cadre d'Addis Abeba perd sa valeur. C'est quoi le ministre, premier ministre, première ministre qui a consulté? Ce qui n'a le bien avoir, la hypothèse qu'il y a bien l'Union républicaine. C'est vrai qu'ils ont un cadre de formation au gouvernement. Mais pour Nakoluka, qui m'a, parce qu'en fait, après la publication au gouvernement, c'est vrai que beaucoup de gens seront frustrés. Et entre autres, bien on peut poser, attends, je suis pas publié comme on a bien, lui, et qu'on a ministre des Affaires étrangères, le cas de la internationaliste à formation, va publier le cas de la ministre des Affaires étrangères. Et Affaires étrangères. Tu es habité. Pourtant, sur la tête, on a bien que le bangoté. Mais sur la bengi bino, pour la consultation, vous n'êtes pas partie prenante, c'est ce que vous déclarez. Est-ce que c'est une solution finalement de faire, donc, appliquer la politique à la chaise vide? La chaise pleine, et foutu dans le Congo. Quand la Congo place, c'est ça. Politique à chaise pleine. Quand la Congo place, c'est ça. Le bois. Donc, Bissona, patron, notre coup, il y en a. Non, il faut vraiment que vous n'avez pas préservé. C'est son point de vue. Qui est légitime, que je respecte, lui aussi le respecte mon point de vue. Donc, Bissona va tout recouter dans le dialogue, dans le format d'accord cadre d'Addis Abeba. Dialogue inclusif. Mais recouter dans le format, il y a ma consultation, ça ne nous concerne pas, ni de près ni de loin. Nous ne sommes pas demandeurs à Makamouana et nous sommes pas aussi prenants à Makamouana. Pourquoi? Parce que tu as vu que maman a aillé, elle ne va rien faire. D'autant plus que. Elle va travailler sous la vision. Il y a beaucoup de problèmes dans le Congo, c'est-à-dire des Lombo. Elle ne va rien faire. Nous allons tourner autour du pot. Tout le monde est mal à l'ambala. Tout le monde est depuis la terre, il nous a eu le gamba. Et à côté de l'autre côté, vous pouvez servir sur raison. En coulisses. Mais officiellement, on peut servir sur raison. Ça m'a le compte d'ailleurs. Il n'y a pas eu le tourisme. Tout le monde est en Awa. Et maman, on peut aller. Étant donné que le problème qui est Félix à Zakakawana, il faut s'en sortir. D'où? Commençons d'abord à résoudre les problèmes avant que tout commence. Donc, la crise en République démocratique du Congo demeure une crise politique et sécuritaire. C'est ce que nous avons solution. Tant que nous avons une solution, tient de bonheur. À table, je suis premier ministre français. Tu as l'opportunité de faire internationaliste dans le studio. À table, je suis premier ministre britannique. Allez, Awa, à cause de la tête, étant donné que M. Félix, c'est le problème du Congo. Voilà. Une occasion pour nous, une aubaine, tu peux dire une opportunité. Tu as mis Moko internationaliste, bien que Alobi Aza indépendant, il n'a aucune couleur politique. Tu n'as aucun côté. Tu es Aza ancien membre. Ah, on a l'appelé Kaka. On a l'appelé Kaka. Leko Igo. Votre point de vue par rapport à Makamba Lobby. Consultation, il faudrait passer d'abord par la réforme. Vous avez évoqué un aspect aussi parmi, entre autres, au Lobby Kambita, les réformes. On peut dire que c'est la solution, l'unique et la vraie, pour que le Congo puisse redécoller de le bas. Surtout bien mon ascenseur. Oui, merci beaucoup. Mais il est catégorique et très pessimiste. Bon, il faut nous rappeler que. Dans cette structure, on a vu sur le réseau des internationalistes ASBEL, nous avons plusieurs sons de cloche, nous avons plusieurs obédiences. Nous sommes une association à caractère scientifique, quoique ceux qui doivent nous écouter, ce sont les politiques, ce qui est vrai. Alors, je ne veux pas trop entrer dans le débat des obédiences. Moi ici, non, c'est aspect purement oui, scientifique. Oui, non, je vais arriver. Et technique, s'il vous plaît. Oui, je vais arriver. Au fait, de ma position à moi, ça ne va pas peut-être me permettre de l'attaquer frontalement ou bien de poser son point de vue. Moi, je reste scientifique. Justement, il y a un peu de moi, je suis en train de dire que nous, notre combat à nous se situe au niveau de la diplomatie congolaise. C'est là que nous sommes à ce niveau. Même quand j'ai dit que non, il y a des acquis, je n'ai pas dit que non. Les acquis, c'est sur le plan social, c'est sur le plan
politique, tout ça. Non, moi, je prends un aspect. La diplomatie. La diplomatie. Alors, moi, j'ai dit que... c'est vrai que nous, on n'a pas l'appui. On condamne ailleurs, chez nous, on fait que condamner, mais on ne nous appuie pas. Le monde appuie ailleurs, dans l'agression, et aussi Mme Kili, mais au Congo, ça n'avance pas. En fait, je voulais vous rappeler une chose. Je voulais vous rappeler que ça fait... on a fait plus de 20 ans ici, avant l'avènement de Félix Tshisekedi. Personne ne pouvait pointer du doigt l'agresseur Rwanda. Donc si aujourd'hui, tout Congolais commence à pointer du doigt l'agresseur Rwanda, c'est que c'est déjà une avancée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas résoudre un problème si on l'a pas encore bien identifié. Aujourd'hui, la crise à l'est du Congo, on sait maintenant qui est agresseur. Et on sait que même ceux qui disaient avant que non, il faut déclarer la guerre au Rwanda, il faut déclarer la guerre au Rwanda. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à un pays, donc vous ne connaissez pas le soutien. Aujourd'hui, c'est prouvé que le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda, c'est juste un sous-traitant. Vous avez entendu... Boyoka qui a wakeno Union européenne, Boutagi pour signer accord Mokona, accord militaire Mokona Rwanda. Alors, personne ne pouvait dire ici avant que Union européenne de Moutebana pour soutenir Rwanda. Il a fallu, vous voyez, il a fallu que quelqu'un essaye quand même de mettre les doigts dans les plaies pour que Batouba ganga. Les lots, on sait que en réalité, la situation à l'est du Congo, c'est une situation que c'est bien, on doit alerter le monde pour que le monde sache que non, la République démocratique du Congo est agressée. Mais les Congolais doivent savoir que non, la solution doit venir des Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce qu'il dit là, c'est que nous aussi, nos gouvernements... L'accord cadre d'Addis Abeba aussi. Moi, je ne connais pas l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit, parce que moi, je suis venu parler de choses internes, ce qui concerne les Congolais. Il a pas recommandation internationale. Il a relevé que... Alors, je suis en train de dire ici, cette recommandation-là internationale, vous allez voir là à l'intérieur, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a tout ça. Mais ce sont les mêmes qui sont derrière le Rwanda. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire des choses pour que nous puissions retrouver la paix? Mais là, c'est la réforme. Si nous voulons parler de quoi, on ne prendra pas la France. Comment ça? Je vous donne l'exemple de votre ministre de tutelle, puisque nous sommes dans la communication et médias, M. Patrick Mugaya. Vous voyez, dans ces pays, tout le monde pouvait devenir journaliste. Prendre son petit micro, tendre à quelqu'un et raconter n'importe quoi. Mais vous voyez que quand lui, il est arrivé, en tant que spécialiste, vous voyez les réformes qu'il a menées. Aujourd'hui, quand même, on peut dire que non, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Mais quand même, on a quand même essayé d'assainir. C'est ça que nous disons que non, même au niveau de la diplomatie, si on met un homme de métier, il peut apporter des réformes. Des réformes qui pourront permettre que non, même le discours de Congolais doit changer. Vous savez aujourd'hui que non, si le Congolais nous adopte un même discours, ça peut aussi influencer ceux qui viennent nous agresser. Personne ne voit les efforts que fournissent les Congolais pour ramener la paix. Problème bon bah, nous, républicains, babi consultation premier ministre Aoussalakouna, ça n'a aucun impact sur ça n'apportera pas des solutions à escompter par rapport à l'attente de la population. Bon, il faudrait penser à réformer et dialoguer, et commencer à organiser des réformes conformément à l'accord d'Addis Abeba et oublier les consultations politiques qui en réalité n'apportent rien. Parce que partage à gâteau plusieurs fois, ça n'a rien apporté. Bon, même l'accord cadre d'Addis Abeba, ça sera toujours politique. Oui, mais justement, les arts politico, sécurité, crise et tout ça. Oui, c'est ce que nous disons. La diplomatie, c'est un aspect important de la sécurité. Si vous êtes bien organisé diplomatiquement, je pense que vous pouvez résoudre plusieurs problèmes qui ont trait à la diplomatie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que si aujourd'hui on mène les réformes au niveau de la diplomatie et que on commence à
ne prendre dans la diplomatie que les personnes qui ont les profils, les personnes dont on connaît les parcours. Parce que la plus grande difficulté que nous avons, c'est on parle toujours de l'infiltration au niveau de notre armée. Mais on ne sait pas que au niveau de notre diplomatie, il y a beaucoup des infiltrés, il y a des gens qui ne connaissent pas les métiers, il y a beaucoup de trafiquants. Donc le gens qui le problème aujourd'hui, c'est l'absence, le problème la faiblesse de la diplomatie. C'est la dans tous les secteurs. De diplomatie. Si nous avons une diplomatie forte, ça va permettre à ce que tous les autres secteurs puissent bien marcher. Alors, c'est ce que nous disons maintenant, la ministre, diplomatie. Vous saluez quand même les différentes rencontres, consultations, parce que Kabuya a consulté qui, Premier ministre a consulté, tout le président a consulté. Il faut consulter à Koutana Kabuya, à Koutana Bemba, à Koutana Bati, à Koutana Kamere, pour gérer la gestion de l'ambition. C'est tout ça. Oui, c'est vrai que notre pays a des problèmes complexes. Donc, la situation de notre pays, c'est une situation un peu exceptionnelle. Mais nous, à notre avis, nous estimons que c'est un peu de consultation de trop. Soit on fait, soit on ne fait pas. À un certain moment, il faudrait que le président de la République puisse aussi battre du poing sur la table pour dire que tous les capricieux là, ceux qui pensent que non, la République démocratique du Congo leur appartient à elle seule. Alors qu'il y a, il est lié par un accord, bon dire, par au moins, ils s'y sont convenus, bah, ça il est capable, tout ce qu'il y a, que tout ce que vous maîtrisez mieux que moi. Si le président veut se débarrasser de ces gens-là, il va se créer des opposants. Nous sommes en train de dire qu'à un certain moment, il faudrait que nous, le président de la République, prenne ses responsabilités. En prenant des responsabilités, c'est pour dire que non, aux autres amis, que non, la République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui plus de 100 millions de Congolais. Et ces 100 millions de Congolais ne sont pas tous députés, ne sont pas tous mandataires publics, ne sont pas tous ministres, tout ça. Et nous qui sommes des présidents, qui sommes des députés, nous qui sommes des mandataires, nous sommes infimes. Alors on ne peut pas nous permettre, nous ne pouvons pas nous permettre de bloquer la vie de plus de 100 millions de Congolais, tout simplement parce que un tel, on n'a pas satisfait à son caprice. Merci beaucoup. Madame Toucha, consultation au Premier ministre, tout à l'heure là, Hugo Akolobakiza, consultation de trop. Pour l'Union des Républicains, rien ne va, le pays va mal. Il faudrait commencer par organiser, faire des réformes à tous les niveaux et respecter l'accord d'Addis Abeba. Je ne vais pas parler à l'accord d'Addis Abeba aujourd'hui, mais pour Naé, il faut d'abord que les choses soient discutées à l'interne, discutées politique, consultation, formation du gouvernement pour Naé, ça non événement. Bon, pour moi, je pense que c'est un point de vue Naé. Scientifiquement, chacun a un point de vue, tout comme dans le domaine habitué à relations internationales, tous en a la doctrine et belle. Tous en a réalisme, tous en a idéalisme, tous en a constructivisme, peu importe. Donc, maintenant, Moutou, Azo accepté au fait, doctrine Naye, Oyo a trouvé que Eza réel partout est un point de vue Naye. Et Nicolas Bapé, Bissot, Roki, Koya, Teto, Loba, que yo, il faut accepter Oyo, Bissot, Ozo, Loba. Non. On accepte, c'est vrai, c'est son point de vue. Azo, qu'on promouvoir juste doctrine, naïe, oyo, azo croire, nango. Bisope, tozana, oya, bisope, o, tozon, zimila. L'accord cadre d'Addis Abeba, je ne sais pas, peut-être, je n'ai pas plus d'informations sur ça, mais en ce que moi je sache, et ça, accord, oyo, et il y a un pays, il y a Grand Lac, c'est Rélia qui pour la promulgation de la paix, et c'est qu'on a un conflit. Entre états voisins et tout comme ça. On a bien. Justement, Yango a le dit que Yango, ils allaient un problème, les lots. S'il faudrait discuter Congo, on doit commencer par là et non les consultations politiques qui n'aboutissent qu'à un partage à gâteau. Pour Naya Lobby, c'est crise politico-sécuritaire, justement, comme vous l'avez dit, d'où part de l'accord quand Addis Abeba. Il faut respecter cet accord. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé un peu de trop, mais pour Naya le Républicain Norbert Luyeye, c'est le problème du Congo aujourd'hui. Bon. Les problèmes du Congo. Dans le cadre, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on trouve que parmi les articles qui évoquaient Balobeli, principe de non-ingérence. Balobeli Pesusu, principe de résolution pacifique de conflits. Ce qui est le but, c'est qu'on respecte. Déjà, Rwanda a respecté
le principe il y a non ingérence à s'ingérer n'a pas problème au état d'yété à côté déjà n'a qu'à mboka mususu au état d'yété ce qui est le but qui n'est pas la principe le but résolution pacifique des conflits d'une part RDC azoluka a respecté partie wana ya accord mais seulement le Rwanda a réglé ba conflit na ndenge wana mais est-ce que pour lui est-ce que la situation devrait se faire de façon formelle et non tacite. Bon, parce que là, comme vous dites, c'est la bonne foi de la RDC, c'est le Rwanda qui agresse. On s'est dit, bon, l'accord est violé, mais il faudrait que les Congo puissent dire, nous voulons faire appliquer l'accord cadre. Mais ils ont sous-entendu, selon Ouakoloba, au lieu que nous puissions verser dans les consultations politiques, dont vous ne voulez peut-être pas aborder l'aspect. Bon, c'est quelque chose que je ne vais pas aborder puisque NASA vraiment n'a pas d'information et belété sur ça. Voilà pourquoi non, le fait de consulter, on va consulter maintenant, quelqu'un a dit ici, le politique pour essayer de faire l'équilibre. Voilà, Kamere a autant de députés, Bahati a autant de députés, Bahati dit là-bas, moi je veux gérer le Sénat, je veux rester là, je reste. Mais quelque part, bon, c'est ça aussi, gestion à ambition, on doit consulter. Et à tout prix, l'Union républicaine, ça n'aboutit à rien. Pourquoi est-ce qu'il y a une consultation qui doit aboutir à parce rien que puisque c'est cadre. Déjà quelque chose qu'il faut expliquer. Ce accord cadre d'Addis Abeba, c'est un accord depuis 2013, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait déjà plusieurs années écoulées. Pourquoi est-ce que Koyaka Kako martelé sur quelque chose qui doit se faire seulement subitement aujourd'hui? Réforme, union, ça, le changement sur quelque chose, c'est pas quelque chose qui doit se faire direct, au fait. Et ça, et loco, et Koyaka, partant, il y a étape par étape. Et ça, échec, tout le monde, tout le monde, tout le gravir, on va monter, tout comme un dernier niveau, tout le premier niveau. C'est comme pour tout comme si on a Kati, il y a studio, tout le monde arrête de chausser. Et c'est là qui tout le monde, tout le monde, premier niveau, pour tout le monde, tout le monde. Donc c'est comme ça. Pour Nangaï Namoni, basse à la consultation, il trouve que c'est important qu'il les fasse pour que Baeba Negeni Nyako ça conforme le gouvernement. Et puis après, sujet Moussous Oezo Sala et ça fait plusieurs mois, plusieurs années où Bande Kobako réclamait l'application à accord 4. Malheureusement, il y a eu des accords de consultation que Kabila a organisé, Senko, Saint-Sylvestre, on ne sait pas finalement. Bon, on ne veut pas respecter l'accord cadre. C'est le problème du Congo, crise politico-sécurité, et non les consultations politiques qui débouchent dans le partage à gâteau. Pour moi, je pense que Eza et l'eau comme encore Ekoya petit à petit. Puisque même le droit, droit international, ce sont les gens qui ont respecté le droit international. Et c'est pour cela que c'est une réforme et que ça a été changé. Non. Pour moi, je pense que petit à petit que nous essaierons d'avancer, tout le changement et les priorités telles et là, selon vous. Il y a plusieurs priorités sur la, concernant la RDC. Ce n'est pas seulement ça qui compte. Je ne dis pas que les priorités. Alors, priorité à gouvernement, parce que vous appelez moi si à Mme Judith, selon vous, qu'elle souhaiterait que Mme Judith fasse aujourd'hui pour dire faire décoller les pays. Pour moi, pour faire décoller un pays, il y a plusieurs aspects qui se mettent en jeu pour que le pays ait à la décoller. Par exemple, aujourd'hui, Chine, qui va saler là, économie. Qui moyen économique, qui va saler là, développer, Toba, Matissambouk, à la Bango directement. Donc, ce que moi je demanderais à la première ministre, Judith Soumina Touluka, est qu'elle fasse son travail comme la vision elle a amenée en partant avec la vision du président de l'État. Puisque mais, quand on parle. Vous êtes un chef d'État, vous animez. Union sacrée. Union sacrée. Bon. Pas de commentaires. La vision du chef de l'État. Pas de mais vous avez cité la vision du chef de l'État. Bon, la vision du vous chef de l'État. J'attendais peut-être dire que vous puissiez évoquer la politique imprimée par le président. Vous parlez de la vision, ça dit qu'il y a une vision que vous maîtrisez. Bon, c'est pas une vision que je dirais pas que je maîtrise correctement la vision du chef de l'État, mais c'est quelqu'un qui est venu avec des réformes qu'il essaye au fait de changer. Partant par exemple, on va prendre avec la diplomatie. Quand on a eu à comprendre un peu la diplomatie du chef, de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, on nous a dit que c'était une diplomatie à porte ouverte, le béni oui-oui. C'était plus oui-oui. La Chine, oui, par oui, exemple. Oui. C'était un peu plus trop ouverte, la diplomatie, pendant l'ancien chef président. Mais aujourd'hui, on trouve au moins
que la RDC commence au moins à donner son point de vue sur quelque chose qui se passe dans son pays, sur la scène internationale. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Madame Tosha Mwana Ouloumé. Ouloumé. C'est compliqué. Alors, Ndeko Olivier, apparemment, il est toujours concentré en train de lire. L'accord. Merci, moi, Namboka. Consultation. Yo, qui était le quoi notable? Babingba notable était. Yo, peux beaucoup ta partie. Bon, consulter. Ndeko Igo a joué à peu près 15 minutes, Ndeko Polembo m'a joué 18 minutes. Ah, et puis la dame a joué 10 minutes. J'espère que. Allez-y, Ndeko Olivier Ngonga. 20 minutes pour aller sur la Nama Congolais. Mais avant d'aborder la question, Ndeko Ibisanano, ma dirigeant à Kinshasa, Ndeko gouverneur Jatine Ngobila, pardon, Sunga ba Congolais. Sunga ba Congolais, ba Congolais, baza ko souffri. Na transport na ville province ya Kinshasa na yebite est-ce que tozana ministre ya transport na moko yo ya Congo soki ministre ya transport azali est-ce que administration na yeza ko fonctionner ndeko po olo ngai pele okoma awa ndenge na yebo au moins 10 000 le matin alors ba 18 heures ekozala ndenge nini basungana no biso. Prix à transport na mokoyo moto a fixa kango azate chauffeur azana prix na ye receveur azana prix na ye bandeko bawewa bazana prix na bango où allons nous dans ce pays lokola tozana batete na mokoyo neko gouverneur na pondelio lukana no silisa passe ya bakongole po transport na mokoyo lokola moto a kolobela ngo azate eza passe président de la république. Pour ne pas regarder na yo, na matambo ya transport, benga ministre ya transport. S'il s'agit à vandisaye po musala na ye na Kinshasa, na Congo, na rapport ya transport, toza ko mona ngote, ba Congolais bazo souffrir. Boko ki koza dollar ko za la tratini, nyoso bolingi, mais transport po Congolais ni makene ko luka. Yo bi benga ya président tiki nani? Na benga kaye Josué. Kasi bon. Nous avons le bien. Je vis une vidéo là quelque part sur les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai. Mais entendez, Josué la République ne présente ce qu'il dit. Il n'est au compte de la terre promise. Mais quand même, vision à président de la République, ça va. Non. Le président de la République a entouré la bateau au Mazosungaye pour arrêter la vision à y. Yango la zone est à Mela Awa, Ata la ministre à transport. Ce qui a zo sala moussala, ce qui a zo sala te, Ati a y pemène de coup. Merci. Parce que les aussi maté ma congolais bazo. Ah, pas consultation de Salima. Point de vue naïo. Mais Ndeko Mumba, Nakoye Bisayo Boui, Ozo Boya consultation.
Mais aux zones du dialogue cadre d'Addis Abeba. C'est là l'accord cadre d'Addis Abeba. Dialogue wana. Oyo ba impérialiste bazana simana yango neko. Ba impérialiste oyo neko Lumumba. Je me souviens un jour na bazazo tanga ba livre ya neko Lumumba quelque part à Lobi, j'accepterai la mort. Pour que le peuple congolais comprenne et accepte l'idéal pour lequel nous nous battons. Et il a dit, ma mort aidera le peuple congolais à se débarrasser des jugs de l'impérialisme et du colonialisme. Mais le lot awa nekomu mazoya, ma impérialiste bazana simakor wana. Pourquoi pas ton solo là? Ma baisse à la gagne, une concentration des abien entre ma congolais et même. Ah oui, mais pour la partage à gâte. Applicabilité n'a monde et à la capace. Neko. Tout le monde a un dialogue de Salamaki, il y a l'église catholique au Bazaraki, ba commanditaire. Dialogue, il y a des m'a fait, résolution, il y a dialogue, il y a des m'a fait. Mais l'applicabilité, il y a un peu de Congolais, ça pose des problèmes. Oh, et ça, ma solution, oh, ceux qui sont Congolais, va respecter, oh, yo, bango, ma solo, entre ma Congolais. Ça, qu'on ait un accord cadre, il y a des impérialistes, il y a des ciments. Ma solo li atre bango awa na mboka oyo. Ma respecter ma solo na bango. Tokoza na problème bien la consultation toko le bas exact pour la conformation au gouvernement. Alors ce que tu mets toko dans le contexte ya nécopolin avi bango baza ni de près ni de loin concerné parce que eko abouti na partage à gâteau. Ay pe nazo soutenir consultation na pour na conformer gouvernement ti. Neko toza na constitution oyo et prévenant nyonso na carte. T'organiser ba élection. Vous travaillez avec les gens oyo to bazike boyebi bango malamu boyebi compétence ya mutu na mutu maintenant bozui déjà bon nommé premier ministre oh maman je dis tu n'as pas sur mot ce que zo la dabiso koza na charge monene na kondima yo soki na komona na gouvernement na yo 25 ministres et puis to ya dollar ekiti maman okoza la na soutien ya ba congolais partout na Congo na étendue à Congo okozala na soutien à la population gouvernement dans la taille à Congo mais maman soki oyé olandi bato yo baza pona intérêt na bango imaginez-vous bozolinga moko ekene liboso avec seka et quelques ministres mais budget ya moka ça sera partagé que par ces gens là alors le peuple congolais bango bako gagner ni merci de trouver la solution pour les casques urbains bango bako gagner ni. Maman, j'ai dit que nous avons besoin de pour que nous soyons congolais, tout le monde est maboko. Tout le monde a 25 ministres, et puis au salaire, de toutes les façons, on quitte la congolais de là, parce que ma congolais va souffrir. Ton côté, quand la tête, on dit ma consultation, il y a une relation internationale, on va quitter ces consultations, les trois, et les qui n'a pas de biso. Et ils ont apporté biso, et l'autre, au mon côté, tout à l'heure, on va mériter. Botie bango ba oba meritete botie bango panani de façon que Congo peut ekene na no liboso le loso ki tozui c'est 4 ministres c'est 4 ministres nenge de komusu za zolo ba ifo totala grandeur ya Congo po bongo tozui non bazoni nganini soki o na parti na ye azui 5 ministères a koza la na mo a di likolo ya ba ministre nyoso ya ye. Pour le 5 ministre là, ils vont respecter seulement mon cousin Bango y a parti. Oh, en respectant mon cousin Bango y a parti, bozoko ma Congo na ma Congolais. Toligi pour cette fois-ci, gouvernement y a Madame Judith. Et à la gouvernement Oyo et qu'on console ne fût-ce que peuple congolais pour n'atteindre que auto tikali nango. En tout cas, au tiers à Pébélé, le gouvernement là, et comme même la mission de l'autre côté. Voilà mon point de vue. Merci voilà beaucoup. Oh, j'espère que vous avez au lobby, Pézat Nungo Lingagi. Oui, oui. Les problèmes Bumba. Nous sommes toujours là-bas, Congolais. Nous sommes en Bokanabiso. Les problèmes Bumba. Consultation, Yobi, Hizan, Bouzan, Abino, concerné. J'aimerais que vous preniez tant de répliques. S'il y a des points qui ont choqué, vous répliquez. De quoi couper sa point à Kobak Samaloba Moko, na une minute. B madame a PCP point de vue na yetu zuba ndeko na zela singa 82 33 33 749 082 33 33 749. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la Radio Liberté Kinshasa. Nous recevons pour vous dans ces studios de la Radio Liberté Kinshasa 4 invités de marque. Il s'agit de monsieur Katawa Victor Hugo, azali président de la réseau internationaliste et Asbel, madame Tosha
Wazali chargé à communication et à structure wana ndeko Olivier Ngonga Azali analyste politique indépendant notable ya mokweba notable abia ya reconnaître kaba bi d'abord président Jean-Pierre Bemba au Djibakulu tuna yon soit reconnaître bango bi ye pezo ya lokwa notable Olivier Ngonga puis ndeko Paul Mbumba Union des Républicains ya Norbert Luyé les pionniers du dialogue. Quand tu as vu tes mamies, on va encore cadre à Disabeba. Encore cadre. Merci beaucoup, Ndeko Bonheur. Naïbi Kélokola, Nazali, beaucoup plus politique. Peut-être moins incompréhension avec Ozana. Mais il n'y a pas un point où il est choqué. Ningo le bail que non. Vous pouvez réagir par rapport peut-être un point où il est choqué. Non. Et là, il est choqué. Nikamba, il y a taille à gouvernement. Le Gaza notable, vraiment presque les autres étaient peut-être la scientifique. Mais il y a un peu de temps pour que ça m'a dit, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Ce qui est politique, c'est la politique qui oriente toutes les disciplines. Il y a un peu de temps dans la classe. Parce que dans la classe, je suis un politologue de formation. Donc, ce que je veux dire, c'est que casquette, parce que je sais. Que nous sommes tous là, c'est la politique qui prime. Aux ala internationalistes, aux ala médecins, aux ala mécaniciens, aux ala politologues, c'est la politique qui est au-dessus. Or, politique en soi, batanga la mona classe. Tout en a science politique et administrative et non politique. Voilà. On est là qui précise. La politique, il faut qu'on contractualise. Voilà. Et là, il y a tel savoir congolais, moi, en réalité, on a pas mal de piquets, encore cadre de la Beba. Quelque part, quand on dit que non, nous avons contenu dans l'Union sautée. Et puis non, Rwanda a appliqué des noms. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun pays signataire d'accord cadre de la liste à Beba à se remplir l'engagement là, en commençant par la RDC. Et puis l'accord cadre de la liste à Beba, c'est quoi? L'accord cadre de la liste à Beba est d'abord pour la République démocratique du Congo et la région. Et puis il y a trois volets. Volet du Bosso, volet national. Imposé par le fédéralisme. J'y viens. Attendez, mon frère. C'est mon temps de parole. Allez-y. Nakatia, engagement renouvelé pris par la République démocratique du Congo. Tout ça, l'engagement dans le tout ça, respecté. Il y a un peu de monde compliqué à monter. La région peut passer à l'engagement dans l'ango et la communauté internationale a ça l'engagement dans l'ango. Donc, aucun pays signataire d'accord cadre d'Addis Abeba où ils ont rempli l'engagement dans l'ango. Justement, il y a un lobby dans le droit international, l'application à l'accord, ils ont relevé la volonté à ma partie. Madame Aoutio le baron tout à l'heure qu'on ne peut pas accuser que le Congo. Le Congo fait sa part. Naba diplomatie par exemple. Azo Luka ko innover. Naba aspect moussou super Azo Luka ko innover. Ça veut dire qu'on doit à tout prix donner plutôt la chance aux politiques, aux présidents, pour que les choses aillent mieux. Non. Point de vue, on a un mot. Ils ont point de vue, mon gros biaisé, dans le sens que quand on parle de l'accord cadre de l'Addis Abeba, accord cadre d'Addis Abeba, conclusion en gros, c'est la réconciliation des Congolais. Ok? Quand on parle du dialogue, tout est l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a un dialogue avec le Rwanda, ni avec le Ougandais, c'est le dialogue des Congolais. De quoi le bien qu'on a discuté plusieurs fois. Et aboutir au quoi le bataille qui est Ion Sosalima qui n'a Senko. Mais il y a beaucoup de réponses. C'est la volonté à compliquer Makamu Moussouroli. On est comme Aspen Moussouroli. Là, nous sommes à l'interne. À l'interne, c'est-à-dire. Respectez Oyo Boyokani, comme disent les latinistes, les game comme fistichi. Respectez Oyo Boyokani. Ce qu'on respecte à côté, soit vous en avez manqué à volonté politique pour la compliquer, Maka Boyokani. Alors, on a un gouvernement parce qu'on doit. Oya, l'économie qui est un impérialiste. Pouvoir est où toi? Mouton Sokoumissa, si l'on voit où tu vas. Pouvoir, Oya Léo et Félix. Ah, où tu n'as peuple? Ah, peuple. T'as un côté où tu n'as peuple. Et d'accord, la Kabila. Et on va saluer à Paul, à Kabila, et le roi de monde de Kona, à Kabouya, que je salue à l'Obarani. Kabila, Tamoni, à Tamoni, à Tamoni, à Tamoni, à gauche, à Tamoni, à droite, à Moni, où tu as pris le pouvoir, à Pessiango,
Ndeko Félix. Oh, t'as vu la lutte quoi? C'est les impérialistes. Et continuité voilà. Et est-il les lots? Donc quand on impérialiste, il faut avoir des réserves. Parce que pouvoir, oh yo, ça y est, la pouvoir, bah, c'est les impérialistes. Ils ont élection. Comment ils ont élection à rompre. Ils ont élection, tout ça. Votre, votre combat maintenant pour lutter. Zéla. Zéla, 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 Zéla. Pour que les mains montent. Élection et salimé qui est en. Nomination et salimé qui est en violation de la Constitution à son article 73. Moi, je suis dans les textes. Dans un ordre texte, je suis dans les documents, dans la Constitution, dans le cours du Congo. Donc, élection, aujourd'hui, c'est aux la tolo, et c'est là qui, d'abord, organisé en violation de la Constitution. Le scrutin du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, article 73 de la Constitution. Or, oui, vous savez, l'élection, le 20 décembre, c'est en violation de la Constitution. Donc, rapidement, à demi-mot, l'État est un gouvernement. Oui. Caméré, à son point de vue, Bahati à son point de vue, ministre pas au, premier ministre pas consulté, le Corbi, ce qui premier ministre a nommé 25 membres du gouvernement, a quitté si tôt il y a dollars, Toribi finalement tout attise des taux, puis aussi un autre problème très crucial social à la Congolais. Pas soutenir, c'est ce qu'il a déclaré. Bon. Les quoi ou tu soutenir les mamans parce qu'il y a ça la logique, il y a système, parce qu'il y a une sacrée, ok? Il y a ça indépendant. Bon, indépendant, mais soutien qui une sacrée. Donc, c'est la quantité, c'est son point de vue. Et là, pourquoi on va congolais, c'est pas yéba. Donc, Moussa Lagnon, son de Rokagou, il y a ça là qui est tombé dans mon caduc. Oh, le maman a banni le sport aussi, c'est le 19. A banni le sport comme ma consultation. Donc, Nyon, c'est deux mois avec le budget, il y a l'État. Oh, le Nyon, son de Rokagou, il y a ça là qui est côté dans mon maille. Va tenir compte d'un côté. Deux mois de consultation. Et que mal. Maman est sur ma consultation. Pour le ministère du gouvernement. Non. Ce qui est de Kokamere, où tu peux évoquer, ah ouais, de Kokamere, de Kobahate, tu sais, Boyoka, les Adi. Le vrai problème, Moutao, ça, la Venoua, Yoka, c'est Ndeko Félix. Pour la Nini. Ndeko Félix, Ayebi, à part, il y a Bahate, il peut voir son côté. Ayebi, à part, il y a Mosso. Et Ayebi, à part, il y a Cash, parce qu'il y a la Capitale Kamere. Ayebi, il y a le donc, c'est à lui d'honorer ses engagements. C'est là où j'ai dit que nous sommes tous les deux. Le problème est que train de vie à ma institution. Train de vie à ma institution, ils dépendent de la politique. D'accord. Au gouvernement, la politique salariale, politique en matière de démocratie, de santé, politique en matière de diplomatie, les amis. C'est là où j'ai dit que c'est la politique qui coordonne tout. Je préfère qu'on prenne les interventions. Ce qui est politique, ça m'appelle un boca, nous sommes biaisés. Je vais vous donner votre point de vue. Nous prenons d'abord les interventions. Les gens qui sont déjà en direct de la radio Liberté, qui s'appellent, vous pouvez nous contacter déjà à travers les 82 33 33 749. 082 33 33 749 Tozo Bandekounanzele à Singa et nous allons revenir dans ces studios de la radio Liberté Kinshasa pour te continuer dans l'émission, justement ça sera la fin. Allô, bonjour. Allô, papa, bonjour. Bonjour Tozo, quand même rapidement. Oui. Après, quand est-ce le gouvernement au Panangaï? Ma position, ouais, c'est nous avons voté à retourner dans la position en position. Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa Bonnet. Allez-y rapidement, papa Bonnet. Papa Bonnet, une stratégie, papa. Parce que je suis en train de l'Union européenne et l'Amérique pour soutenir le Rwanda. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Donc, pour parler, c'est très important. Surtout dans ma bouche, c'est un peu pour moi. Ça va être mais il va bouger. Là, on va faire des cours. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Diminuez le volume à radio, place vos heures d'habitude, s'il vous plaît. Toujours Caillou. Toujours Caillou. Neko, bonjour. Bonjour, diminuez le volume à radio, Neko. Ok, je vais diminuer le volume. Parce que la zone de la zone est en train. Toujours Caillou. Je suis en train de faire des choses. Merci beaucoup Ndeko, pays fidèle auditeur na biso pour la disponibilité na yo. Kolongo la focus na ya radio na biso na mutuka na hôtel. Très bien que vous êtes toujours fidèle na biso. Allô bonjour. Allô. Bonjour. Allô bonjour, c'est là David Abatianga, je m'en appelle moi pour m'inviter. Allez-y rapidement. Attends, c'est d'abord consultation. On le consulte pas les vides, c'est les vides, il n'y a pas de nécessité, c'est une dénomination. C'est une idée qui est échouée. C'est faire quoi d'abord? Il faut entrer dans l'accord cadre. Parce qu'il y a encore des Angolais pour réparer ma frontière. C'est ce que c'est une chacun. Et nous, Rwanda, c'est à former ma pilote. Mais pour bombarder, est-ce qu'il nous fait ça? Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Bonheur. Bonjour. Je suis invité, Ndeko Perkis, dans la commune à Kassavubu. Bonjour, Kayo. Il y a une personne à nous réfléchir. Premier jour, je vais nommer maman Adiso Jigit. Allô, il y a beaucoup clair. Serge, où est l'équipe? Mais pourquoi vous comprenez que maman a zoti ma bangambo pour diminuer cette l'opposition de l'équipe qui l'a à la raison pour laquelle par consultation banda babanda qui a zo ma place à continuer la tienne. Mais combien l'équipe qui l'a c'est clair, ma papa. Allô, bonjour. Bonjour, Zalim, Nico Pablo, Nabango, Maripen. Naipen, toujours au camino. Combien de voyages? Merci. Allô, bonjour. Allô. Allô. Un problème d'interférence là. Allez, on va prendre 4 intervenants rapidement. Toujours Guina Studio. Allô. De quoi Clément la bande là, apparemment. Toujours Caillou. Ok, on est repoulé, Mbumba, changer position à yon, on a la position de. On a le maquet, mais c'est le bon problème. Depuis Kabila, on a eu Kabila problème, Kabila problème. On a eu un problème, on a eu un normal, on a eu un famille en Chili, on a eu la population, on a eu un bâtiment, on a eu un bâtiment. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, toujours Kayo. Oui, je viens de vous dire, depuis ma tête. Toujours au cabinet. La décision est sur ton beauté. Merci. Mais je suis là pour vous. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Monsieur Mambo, j'ai depuis Makala. Makala, toujours comme ça. Makala, la situation est un peu cannabis. En tout cas, on a petit raison à éviter la yo. Solin, il y a une des républicains. Il y a un solo là-bas, il y a une raison. Pour tout qui est négatif, il y a un dialogue pour nous résoudre le Christ. Et c'est sécuritaire. Merci. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour. Toujours Kayo, papa. Ah là là, voilà, on n'a pas considéré le bac à bisoter.
Merci infiniment pour le compliment. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, papa Bonheur. Comme le rôle collègue, il y a quand même une mission au Katakatatiste pour la ligne. N'a pas été souligné, papa. Mais allez-y rapidement, et puis que le principe est mis sur le côté de la mort ici, le petit Bani. Aussi longtemps qu'il soit peuplé, de lier l'autre côté, il y a les gens en boca, papa. Même ici, vous tenez du gouvernement, moi, l'ingénie, c'est possible, là, pour les importants, ils ont des libres, les Congolais. Aussi longtemps qu'il soit toujours lié à des. Même si vous formez gouvernement, il y a combien de ministres. Papa, qui sont les bâtis, malheur, il y a beaucoup de IDPS. Merci, papa. Merci, merci, Ndeko. Ce que bien qui tenait plus compte avant de côté, monsieur Baba, ça toujours au côté là. So, côté au tiki puis bango balu kabakota. Alors, on va prendre trois intervenants, on va clôturer. Allô? Allô, papa Bonnet. Bonjour, au Bengu Wapi. Allô, papa Bonnet. Aux Andes, reste la radio Liberté Kinshasa. La deuxième est à Kingabo. Kingabo, toujours au cabinet. Papa, vraiment, on a ça, je suis l'eau dans la mer, dans l'émission, on a vu la course à. Parce qu'on a mis le filon de mes laïbis, on a posé à mettre le filon de l'ingénie. Merci beaucoup. Ça a formulé des demandes en direct, c'est le problème. Hein. Allez, allô, bonjour. Bon, alors, on s'arrête là aujourd'hui. Je vous ai toujours demandé d'être à la place de ceux qui parfois ont difficile. Il y a beaucoup de ceux qui nous suivent qui ne savent pas comment vous faites pour entrer, hein, pour accéder justement au standard. C'est pas facile, je vous dis. Mais parfois, soyez clément, le quoi comme le bi, un peu moins généré, au côté de Bande comme Subakota. On ne saura pas vous prendre tous, mais ne serait-ce que 30 secondes sur intervenir traitement de comme Subakota. Hein, je ne pourrais pas le faire pour nuire à cet intervenant qui insiste. On va les prendre rapidement et finir. Siri Abapel Nabisso. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, Ndeko. Papa, bonjour. On a bien invité nos soins. Bonjour, papa. Oui, Ndeko. Ndeko Roger. Oui. J'ai la partie qu'on a beaucoup à Nabisso. C'est que ceux qui ont fait tout le film, tout comme ça, c'est normal. Mon père, on peut piquer avec. Merci beaucoup pour la synthèse dans le cours Roger. Ouais, ben, de quelque part. Allô, allô. Bonjour. Oui, papa. Attendez. Soyons sérieux. non, Alobi, mais si on est Clément, lui, sur la justice, je pense pas. C'est un auditeur que nous aimons beaucoup. Clément Avandal et tous les Parisiens, nous vous disons bonjour. Merci à vous tous qui nous suivez et merci à vous tous qui avez essayé sans succès d'accéder. Nous allons continuer à vous recevoir aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que Jésus va revenir. Si Jésus reviendra certainement pour les chrétiens, en tout cas, c'est ce jour-là qu'on va arrêter. Alors, Ndeko, Igo, tout comme la Souka émission, Otali Caméra, point de vue à Souka, piste à solution par rapport à Otolobi Lelo, moi, message à Souka P. Bisso, le cola, réseau des internationalistes aux Olobaboué. Bisso, tant que vous allez dans la classe, nous sommes bisso tout le temps, et allez comportement, il y a un état sur la scène internationale. Sans prétention, nous pouvons dire que c'est nous qui comprenons mieux le comportement du Rwanda, le comportement de l'Union européenne, le comportement des États-Unis d'Amérique par rapport à la situation à l'est de notre pays.
C'est pour ça que nous disons que le problème du Congo ne peut pas être résolu par ceux qui créent et entretiennent l'insécurité en République démocratique du Congo. Les Congolais doivent savoir que s'il faudrait qu'aujourd'hui la paix soit rétablie en République démocratique du Congo, il faudrait que non, ce soit eux seuls, ne battent les mains pour trouver solution. D'ailleurs, on a vu ça dans le Baboué. Et là, quand il y a Liboso, tout ça, il y a un Kosenga, un président de la République. Tout ça, il y a un président de la République, le Kola. Diplomatie est le domaine partagé entre le président de la République et le gouvernement. Le cola yene mutu anomaka ba ministre. Comme ça, atalata, aloba kenote, tangu muse Laurent Désiré Kabila Kotaka Namboka Oyo, anomaka un certain monsieur Jean-Charles Lokotolo la kombe le cola ministre des Affaires étrangères. Mais na présentation ya ba ministre a emetaka un commentaire. Alobi enfin le ministère est revenu à ses spécialistes. Ça veut dire déjà que non le président Moussa Laurent Désiré Kabila à l'époque avait compris que il y a une nécessité pour que merci beaucoup à vous animer, de Katawa Victor Hugo ministère qui est en charge doit être du domaine doit être du président réseau internationaliste Asbel avec plaisir de vous recevoir prochainement. Si je peux encore ajouter même 10 secondes, c'est que aujourd'hui, tout celui qui a fait les relations internationales ne doit pas se gêner pour se présenter en public comme un diplomate de formation. Merci. Maman, tu as combien de émission? Rapidement, en 30 secondes. Ngai suka la ngai pour nous clôturer l'émission, nazo lobelaming la première ministre en Abisso. Tout qui a un rapport, il y a un intervenant, bazala qui a maman, ozana musala et belé à kusala. Ozana apport moko positif makasi tozo zelepana poso ki yoka ko biaiser mukie biso ba o tozo na sima tozo lukatwa ko sa politique to ko sa plasté. Merci. Donc ils a défi. Défi à relever. Tozo succès na ko imbe ma zimba anniversaire na 30 secondes tant aussi cher de ko problème bomba. Ndano de ko ngunga Olivier to komina suka rapidement. Bon, il m'a pas suka na ko yebi saka ka mama je dit que ok, ma Congolais va dire que le premier ministre a solo maman, tout le monde a diminué le nombre de ministres, ceux qui ont au moins 25 ministres, et pour qu'ils aient la vie sur le dollar, il y a des soutiens à ma Congolais partout. Si c'est ok, on a commis à mon gafoula, ou ici, Bougoumès, qui est toujours à Kuna. Non, de quoi Bougoumès, c'est à mon gafoula, ou à travailler, ou comment on a un de quoi. Allez, de quoi pour l'imbouba de Kominasuka. Auditeur, nous sommes au Tiko Benga, presque Bango, nous sommes au Tiko Benga, dans ma immense, on a au Tiko Loba. Mboka na biso ezana kokoso. Kokoso wana, kata biso moko ba Congolais, et singlito se mettre autour d'une table, to kwa repè sa solution na crise politique et sécuritaire, ou ezoko gangrené na kata RDC. Makama ko se précipité, kowe la ba poste, ezana wana tinate. Ata ko consulté combien de fois? Le problème est que la crise demeure. Alors, on a besoin d'un niveau à est. Merci. Merci. Merci pour l'embouba. Rebecca Kalombo, c'en est fini. Anniversaire à maman Tosha Mwana. Tosha ou Mwana Moule. A toi, il anniversaire. Ah ouais. Tu m'as joué anniversaire. Non, mais bien, t'es Rebecca Kalombo. Moi non plus, j'ai pas une belle voix. Merci beaucoup, bonheur. Joyeux anniversaire. On chante ensemble, comme ça. Ça ira bien. Même si ça va pas. Spécial. Je suis pas sûre que ça va. Joyeux anniversaire.